Allô, Gamini ? Je viens de parler à Monsieur Vaglet, c'est un politicien qui est très influent à Mumbai. Je t'ai envoyé un numéro et, s'il te plaît, envoie une photo de Viplav là-dessus. C'est le numéro de son bras droit. Il va t'aider à retrouver Viplav. D'accord, je l'envoie tout de suite. Allô ? Allô, je suis Kamini Tripathi. Je viens de vous envoyer la photo de mon mari. Il était parti à l'hôpital Sarvodai pour rendre visite à un patient. Et il a été pris dans les émeutes là-bas. Ah oui, il pourrait peut-être vous dire qu'il y a aussi d'autres personnes qu'il faudra aussi faire rentrer à leur domicile. S'il vous plaît, mettez Viplav en priorité, hein ? Uniquement, Viplav doit rentrer chez nous sain et sauf. S'il vous plaît. Tu vas où, Dani ? Trouver Vido et maman. Je ne peux pas rester ici à attendre comme ça. Est-ce que t'as perdu la tête, Dani ? Comment est-ce que tu iras ? Il n'y a aucun véhicule qui roule. Je trouverai bien un moyen. Ce n'est qu'un détail. Je veux m'en aller. Tu vas bien ? Oui, je vais bien. Oui. Je vois dans quel état tu es. Tu peux à peine te tenir debout et tu voudrais sortir dehors pendant qu'il y a toute cette pagaille ? C'est de la folie ! Ces gens-là ne vont épargner personne. Je ne me soucie pas de ma vie, Viplav. Et moi, si. Je veux m'en aller, je m'en irai certainement. Il s'agit de Vida. Et de maman. C'est pour ça que je te dis d'attendre. C'était la seule voie de sortie possible. Tu as fait un travail superbe. Toutes les voies ne sont pas bloquées. Laisse-moi m'en aller d'ici, Viplav. Je voudrais sortir. Et comment tu l'ouvriras ? Je me demande dans quel état est Vida. Dani, nous trouverons bien un moyen pour sortir d'ici. Il doit bien y avoir un moyen de sortir. Mais tu fais quoi maintenant ? Mais qu'est-ce que tu veux faire, Dani ? Que veux-tu que je fasse, Viplav ? Il y a des émeutes à l'extérieur. Il y a des gens qui cherchent à s'entretuer. Et moi, je n'ai aucune nouvelle de maman et de Vida. Je ne sais pas dans quel état elle se trouve. Puis-je rester sans rien faire ? Je ne compte pas rester ici les bras croisés. Il faut que j'agisse, Viplav ! Dani, ne fais pas ça. Descends, s'il te plaît. Baisse tes mains, Viplav. Je ne vais pas tomber. Oh,
Pardon. Que ça va? Tu peux te rapprocher du feu. Nous nous aimons beaucoup tous les deux, non? Alors comment me détestes-tu autant, Dany? Pourquoi t'es si loin de moi si t'es ici? Pourquoi tu ne veux pas reconnaître que Vida est notre fille? Entrez! Quoi? Viplav est-il ici? Pourquoi te soucies-tu de Viplav tout d'un coup? C'est Dany, elle n'est plus à l'hôpital. Je l'ai cherchée dans tous les lieux possibles, j'ai même cherché dans les hôpitaux, mais je ne la retrouve pas. Aussi, j'allais signaler sa disparition au commissariat, mais avant de le faire, j'ai pensé venir ici pour la chercher. Viplav ne se trouve pas ici. Et Dany non plus. Marcia, tu peux t'en aller. Écoute, il y a des émeutes dehors. Viplav a disparu, Dany a disparu aussi. Et nous n'avons aucune nouvelle à leur sujet. Et toi, tu viens d'une riche famille, et tu as sûrement de nombreux contacts. Tu fréquentes des gens influents de la société. S'il te plaît, je te supplie de te renseigner sur où se trouve Dany. Ah bon? C'est donc cela. Tu m'avais pourtant menacé à l'hôpital l'autre jour, non? Et maintenant? Tu t'es rappelé ton statut? Oui, je connais des personnes influentes. Et j'ai aussi fait des recherches. Mais seulement pour retrouver Viplav. Parce que la source de tous ces troubles, c'est bien Dany. Mais pourquoi critiques-tu Dany tout le temps de cette manière? Qu'est-ce qu'elle a bien pu te faire, la pauvre? Ce qu'elle a fait, tu dis? Depuis que Dany a revu Viplav, il a toujours des choses néfastes qui lui arrivent. Il se retrouve toujours pris dans un problème. Dany est remariée à présent, et elle a une fille. Pourquoi ne vit-elle pas heureuse? Pourquoi tourne-t-elle toujours autour de mon mari? Ou alors, elle veut Viplav aussi bien que toi, Parcia. Hey. Ne t'avise plus jamais de dire un seul mot contre Dany, s'il te plaît. Tu m'as bien compris. Je m'adresse à toi avec beaucoup de respect. Mais j'ai des limites à ma patience, comprends-le. Et hier, quand ton fils avait disparu, j'ai aussi vu de quelle manière tu parlais au sujet de Dany. S'il te plaît, contrôle un peu tes pensées. Moi, j'ai l'impression que tu as perdu un boulon ou deux dans ton cerveau. Il faudrait que tu répares tout ça. Sinon, c'est moi qui vais le faire pour toi. À l'avenir, ne t'avise surtout pas d'accuser Dany de n'importe quoi, d'accord ?
Ah oui, autre chose. Découvre vite où se trouve Iblav. Et ne cherche plus à jeter de la boue sur Dany, c'est compris? Parce qu'elle n'a absolument rien à faire avec ton mari. Je vais lui... Du calme. Du calme, Camini. Non, ce n'est pas le bon moment pour lui régler son compte. Je m'occuperai de lui plus tard. Je dois penser à Viplav, mais où peut-il bien se trouver, hein? Mais où est-il? C'est une blessure par balle. Elle ne guérit pas rapidement. Donc fais attention. Le moment pour que tu me soutiennes est passé depuis longtemps, Viplav. Tout a changé maintenant. Non, rien n'a changé. Ouvrez cette porte! Ou sinon on va l'enfoncer! Ouvrez-nous! Ouvrez! Et vite! Viplav,